Amélioration. Donc voilà. Donc on va s'occuper de notre machine. Voilà, après bon, l'atelier de peinture, c'est ce qui est de moins. Enfin, les mélanges et les peintures, c'est ce qu'il y a de moins développé aussi. Donc c'est normal que ce soit les choses les plus lentes. Et donc on va. Excusez-moi, je fais un truc, mais. Oui, j'ai remis mon micro. Attendez, je vérifie un truc. On m'entend. Ouais, c'est bon. Je vois mon micro bouger. Enfin, mon micro, mon volume de micro bouger. Alors, donc ça c'est bon. Bah, de toute façon, en plus, c'est ce que nous demande le jeu, de faire l'espèce de champignon. Alors, il me faut des serres, du verre, écoutez, tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà, bon, bah écoutez. En train de regarder, mais ouais, là, les prods sont pas dingue dingue. Est-ce que. Ah, j'ai manqué de shuriken. Enfin, je vais pas pouvoir couper tout de suite la production de shuriken. De shuriken, je veux dire nature, quoi. Nature. Entre guillemets, nature. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. Bon. Alors, j'ai dit. Des sphères, du verre. Eh ben écoutez, partir. On va partir là-dessus. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop. Normalement c'est ça. C'est ça. Et on va partir. On verra, attendez. Hop, que je ne mette pas le. Me suis planté, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Ok. Voilà. Un truc qui cloche. Attendez, je vais les poser parce que je. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, oui, c'est peut-être dans le bon sens. Voilà, et comme ça. Ok. Alors, bien évidemment, l'interface se met dessus, sinon c'est pas drôle. À niveau. Parfait. Donc ça, ce seront mes sphères. Donc voilà. Donc ici, j'ai des sphères vertes qui arrivent. Ça, c'est bien. C'est bien. On est content. Voilà. Alors pareil, oui, je devrais améliorer, mais maintenant j'ai aussi la possibilité de rotate à l'envers. Donc ça, on pourrait améliorer les anciennes usines. Mais bon, pour le moment, elles fonctionnent et elles sont destinées à être détruites dans tous les cas prochainement.
Ouais, 5 unités, ça devrait suffire. Allez, hop. Donc la partie gauche, on va la faire rôter dans le sens horaire. Une fois, pas de soucis. Les autres dans le sens anti-horaire. Comme ça. Comme ça. Ok. Et donc là, en sortie de ça, en toute logique, j'ai mes demi-sphères vertes. Donc sur cette pièce-là, j'ai la demi-sphère verte en fait. Donc ça, c'est ce qui sort ici. Maintenant, il y a ici. En sortie de ça, on va les décaler un tout petit peu. Donc il faudra voir pour accélérer la production, enfin améliorer la production de ça, hein. En soi, je peux améliorer déjà la production en fait. Alors, il y a plusieurs moyens de faire. J'ai toujours pas les. Ouais, de toute façon, ouais. Alors, après, en fait, mes extracteurs, de toute façon, après, j'aurai des extracteurs en série. Et en fait, quand j'aurai deux extracteurs qui se suivent, en fait, ils se cumulent. Pour le moment, ce sont des extracteurs de base. Donc, évidemment, je suis un petit peu coincé comme ça, quoi. Bah, par ça, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, il me faut des parties inférieures de Shuriken. Ce qui fait que, en fait, c'est l'inverse. La partie de gauche, je la fais pivoter dans le sens anti-horaire une fois. Et l'autre partie, dans le sens horaire. Voilà. Donc, j'ai ces deux usines là. Maintenant, il faut que j'assemble ces deux morceaux. Et pour ça, pas très compliqué, je vais créer mon usine de d'assemblage ici, ma première usine d'assemblage, qui va ressembler énormément au mélangeur de peinture. En fait, c'est quasiment le même design. C'est juste la machine au milieu qui change. Ok, j'ai vraiment parti trop à droite, c'est pas grave. Attendez, on va corriger ça. Voilà. Ça a rien de mettre trop de convoyeurs non plus, ça. Voilà. Ok, on va finir ça.
Là, on va partir vers le bas. Ici, ça va être un tunnel. Tu vas venir comme ça. Mince. Donc là, j'ai bien mes parties inférieures de Shuriken. Alors, ça va être juste pour vous montrer, je vais couper ici. Et ici, si je lance ma production de sphère. Ouais, on commence à bien sentir quand même la limite de mes extracteurs là. Vivement quand même que les Shuriken Blues arrivent là. Parce que. Donc là voilà, donc je colore mes sphères. Je les coupe. J'ai mes parties supérieures de sphères qui arrivent. C'est là que je vois que la sortie, j'aurais mieux fait de la faire partir par la gauche, c'est pas grave. Donc là, hop. Et donc là, voilà. J'ai bien la pièce qui m'est demandée, qui est là. Donc on va laisser la machine se saturer à ce niveau-là. Et avant de lancer avant l'envoi de la production, on va attendre que les shurikens bleus atteignent le nombre qu'il faut ici là, parce que sinon parce que le problème c'est que là je divise ma production résultat en deux là, ce qui est pas ouf. Oui, donc le jeu sauvegarde automatiquement hein. Vous avez vu la notification en bas qui arrive, enfin qui apparaît de temps en temps. Voilà, c'est bien ça. Hop, extracteur. Ok, donc là il va nous falloir encore ces formes-là, donc il va vraiment falloir que je parte à la recherche d'un truc comme ça. Je vais certainement couper pour chercher s'il y a une forme naturelle sur le terrain de ça. Parce que sinon c'est l'enfer à découper tout ça. Sinon bah je créerai la machine pour découper, voilà. Et puis bah écoutez, bah, dans ce cas, bah, c'est bon, hein. On va. Ou alors. Ouais, de toute façon, le temps de trouver ce qu'il faut, c'est bon, j'aurai ce qu'il faut. Bon, bah écoutez, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, on envoie les champignons. Alors, l'avantage, c'est. Bon, là, pour le moment, ça a saturé peut-être un tout petit peu. Et encore, même pas, parce qu'il y a des trous. Ah. Ah, ça peine un peu à sortir. Moi, ça va s'équilibrer, hein. Au bout d'un moment, je me fais pas de soucis et au bout d'un moment, ça va s'équilibrer, hein. Bon, bah voilà. Ça part comme ça. Et donc, on est parti pour la recherche des...
Des quadrilatères là. Alors d'habitude ce que je fais c'est que je trouve une source de quadrilatère et je s'exploite pour toutes les machines, mais là je crois que je vais partir sur une autre idée. Mais si je pouvais avoir une forme de quadrilatère pure, ça serait le top du top. Mais je crains que malheureusement, c'est peine perdue. J'en ai jamais trouvé, hein. Dans les parties précédentes, je suis pas sûr que ça existe en fait. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. J'ai vu que il y avait. Alors, je vais hop repartir. J'ai vu qu'il y avait. Non, pas là. Si ça? Non. Si, c'est celle. Attendez. Que je dise pas de bêtises. Hein. Bah, je viens d'en voir une. Une comme ça, mais près d'un rouge. J'en ai vu une source. Elle était où? Plus bas? Bah zut. Je me suis trompé. Parce que là j'ai cette source là. Ah oui, puis j'ai du rouge au-dessus, sinon oui, mais bon, y a pas mieux. Là, c'était ça. C'est voilà, c'était là que j'avais vu. C'était là que j'avais vu. Ok. Donc là déjà on va produire cette forme là. Ça va être plus simple. Donc. Ça va être très simple, ça va être un simple atelier de peinture. Donc, hop, puis on va même exploiter un cinquième comme ça. Hop, voilà. Donc, ok. Ensuite, ici. Arriver. Ouais, on va le faire sortir par là. Ah, j'y arrivais, oui. Voilà. Ok. Alors, que je dise pas de bêtises. Si je le fais sortir ici, que je le décale de 2. Non, parce que ça fait arriver la sortie ici, ça ira pas. Hop. On va se décaler. Allez, on va dire qu'on va se décaler ici. Et on sortira vers le haut, mais on verra ça après. Ok. Voilà. Donc ça. Je sais, ça se voit que je suis toujours au tactile ou pas? Non, c'est vrai que je galère un petit peu au tactile avec ce jeu. Mais c'est pas grave. Ah oui, alors. Là par contre, j'ai pas vu assez gros. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parce que ça, il va en falloir une blinde.
Donc, je fais tout de suite une très très grosse usine. Et encore, c'est pas ceux dont j'aurais le plus besoin. Enfin, les rouges, c'est pas ceux dont j'aurais le plus besoin. Mais quand même, déjà pas mal. Ah, ça y est, les extracteurs en série. Ah, la fin des pénuries. Bon, on va refaire le tour des anciennes usines, hein, pour ça. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ok, let's go. C'est là que je vois mon erreur. Bien. Bien, bien, bien tout ça. OK. Donc finalement, je vais bien faire une double sortie. Ici aussi. Et là, c'est parti, ça déconne plus. Et ben voilà. Mais quel con. Ah non, mais je suis. Non, non, je suis un idiot. On va supprimer. Faut que je les découpe ces formes-là, puis que je les rassemble. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on va d'abord les découper vers la gauche et puis après on les ramènera à droite par le bas. On va procéder comme ceci. Ouais, ça va le faire. Et on va en faire de façon massive, hein. On va faire un très gros atelier découpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors. Les parties de droite, on les supprime. Parce qu'il n'y a que les parties de gauche qui nous intéressent.
Pourquoi j'ai fait ça, je n'en sais rien. Ça n'était pas utile. Et... Par contre, ce qu'on va faire, c'est que 1 sur 2, on va faire le retater une fois. On va faire ça comme ça. Ensuite, on va mettre les assembleurs. Ah, ça fait que 5 assembleurs, hein. C'est pas énorme. Je vais pas avoir une productivité énorme non plus encore, hein. Bon, il y aura moyen encore d'allonger, hein, mais... Ouais, tant pis. C'était quoi ça? C'était... Pourquoi j'ai Opéra qui s'est lancé? Mise à jour Opéra. Ok, d'accord. Bah, fais ce que tu veux, hein. Vis ta vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et donc là... J'aimerais en voir une complète, mais... Ouais, voilà. Ouah, la prod me semble pas si ouf que ça. Hein. On va... Bref. On va... On va doubler l'entrée. On va doubler l'entrée. Notamment avec cette sortie-là, en fait. Oui, alors évidemment, j'ai saturé ma machine. On tente avec ça? Ça me paraît léger, hein. Ah, et puis ouais, il va falloir qu'on fasse les patrons après. Ah bon, ok. Bon. Ça me paraît léger, je vais doubler cette machine. Je vais doubler cette machine parce que sinon, je sens qu'on n'est pas sorti. Mince. Bien sûr. Mais cela sert à rien. Bon. Alors. Je disais, les parties de droite. Poubelle. Et ensuite, alors j'ai dit, oui, c'était celle-là que je faisais rotater deux fois. Donc une sur deux. C'est ça. Un assembleur.
la sortie. Et donc là. Ok. Et donc là, on va descendre encore d'une case. À droite toute. Voilà. Et là, cette fois-ci, je produis les bonnes pièces. Bon, on y arrive. Bon, c'est loin le centre? Ouais, il y a un petit bout de chemin à parcourir. Presque jusqu'au vert et après, je tourne. Ok. Hop, ah, j'aimerais juste me mettre à la limite. Ok. C'est ça. Ok. Et là, je remonte. Ouf, d'accord, ok. Bon. On va partir là-dessus. Peut-être réduire un tout petit peu le chemin. En partant comme ça. Ok. J'attends qu'ici ça se vide. Et après on va partir sur cette pièce-là, là. Et ce convoyeur là, on va le supprimer. Histoire d'optimiser un minimum le chemin, quoi, parce que sinon. Oui, 170 machines, oui. Enfin, 170 convoyeurs. Bon, et bah écoutez, et encore, je trouve. Ouais, alors ok. Donc c'est vraiment les. Là, les ateliers de peinture qui galèrent. Mais c'est justement ce qui va être. C'est justement pour ça qu'on crée ces pièces-là. Donc c'est bon. Ok. Bon. On laisse tout ça en suspens. Ça monte progressivement. On va voir les champignons là qui vont arriver entre deux. On va se concentrer sur cette pièce-là qui va être super importante. Super importante. Alors il me faut un peu tout en fait. Alors j'ai ça, c'est nickel.
que j'ai pas un autre endroit. J'aurais là déjà, ce serait un premier point nickel. Mais il me faut un autre spot. Donc ici, ça irait pas. Ici, ça irait pas. Est-ce qu'il y aurait un autre endroit? J'aurais plutôt envie d'aller m'étendre vers le haut à gauche parce que j'ai rien produit par là. Si j'ai ce qu'il faut. Oh! Ah, attendez. Il manque un peu de choses là. J'essaie de trouver le meilleur spot pour créer ces pièces-là parce que ces pièces-là, elles vont nous suivre tout le reste du jeu après. Là, ça a l'air d'être intéressant. En fait, il me faut une forme comme ça. Donc, en fait, trois sphères et un carré. Peu importe, hein, la rotation, après, je les fais rotater comme je veux. Et il me faut une sphère à côté avec les trois couleurs. Et si possible, en fait, beaucoup de bleu, en fait. Parce que le bleu, j'en avoir besoin pour... J'en avoir besoin deux fois, en fait. Là, j'ai trouvé. Donc là, j'ai les trois couleurs pour pouvoir faire du blanc. J'ai une sphère. Et là, j'ai une autre. J'ai la forme qu'il me faut avec du bleu juste à côté. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on va partir là-dessus. Donc ici, il va me falloir. Alors, c'est là qu'on va commencer à rigoler un peu. Alors, ici, ça va être mon usine de blanc. Mais usine de blanc dans le genre violent. Tiens, cool. Ah non, c'est le... Ok, c'est découpage, rotation, tout ça. Donc déjà, on va avoir l'usine de blanc, je disais. Et là, ça va être la méga usine, quoi. La méga usine. Donc on va la produire comme ça. Alors, on va commencer par le vert parce que c'est lui qui est le plus au nord. Ouais, comme ça. Bon, ok, admettons. Ce qui fait que... J'aurai mon entrée de vert comme ça. Une autre entrée comme ça ici. Partir comme ça. Allez, alors déjà, on a une première usine de blanc, donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Bon, alors attendez, parce qu'il va falloir en fait que je réfléchisse vraiment en mode nickel quoi. Quand je sors, je suis comment? Quand je sors, je suis un niveau au-dessus. Ok. Donc je peux être comme ça. Alors, je peux être comme ça. Alors, non. Pas comme ça, parce que là, je vais avoir... Ouais, on peut le faire comme ça. Allez, hop. Ok. Donc là, je me décale d'un. Et je mets deux entrées comme ça. Ok.
Et donc là, en fait, j'ai la même usine, mais décalée d'une case. Ouais, ça peut le faire. Allez, hop. Non. Ok. Donc, j'ai déjà fermé mes routes parce que sinon, voilà. Ici, j'ai vu que je m'étais planté. Ici, la même chose. Et en fait, notamment ces usines-là vont me permettre après de pouvoir copier d'autres machines. Et ça va être génial, ça. Et je me suis planté, j'ai mis des assembleurs alors qu'en fait c'est des mélangeurs de peinture. C'est pas grave. Heureusement que ça a la même forme. Décidément. OK. Bon là je me lance dans la construction d'un truc assez mouse, hein, mais... Et encore c'est que la première étape. Hein. C'est que la première étape. Ah la violence. Bon. Ah oh, c'est pas vrai. Bon, la dernière sortie, je vais être obligé de la mettre comme ça parce que sinon, sinon ça le fera pas. Bon, ok. Donc là, j'ai mon entrée de verre. Je peux déjà mettre les extracteurs. Ensuite, je vais avoir mes sorties de bleu. Voilà. Et je me suis planté. C'est pas là que ça va. C'est là que ça rentre. Ok.
J'ai mon bleu. Et sachant que j'ai oublié de raccorder mes sorties. Non, parce que je voulais. Ok, là j'ai tout qui est raccordé, j'ai tout qui est raccordé. Ok, j'ai une amélioration, c'est justement mes ateliers de peinture, ça va être sympa. Ok. Allez, on continue. Là, on continue, mais malheureusement pas longtemps. Je vais devoir mettre fin à cette session de tournage. Heureusement, je peux tourner demain. Ok. Et là, en mettant du rouge. Donc là, c'est pas compliqué. Je mélange du bleu et du rouge, ça va me donner du mauve. En mélangeant du mauve et du vert, ça va me donner du blanc. En fait, quand on mélange les trois couleurs, peu importe dans l'ordre, eh ben ça crée du blanc. L'ordre n'a pas réellement d'importance, hein. C'est vraiment le fait d'avoir mélangé les trois couleurs. Donc je les mélange en deux étapes. Donc là déjà, j'ai... Alors, oui, évidemment. Donc là, j'ai du violet qui est créé. Quand je vais raccorder le violet ici, je mélange avec le vert et ça va créer du... Ça va créer simplement du blanc. Voilà, en sortie, j'ai du blanc. Ok, ça c'est la première étape. C'était la première étape. Maintenant, atelier de peinture. Parce que maintenant, il faut que j'aille chercher mes sphères que j'ai vues, les sphères qui sont là. Je vais les remonter là et je vais les peindre en blanc. Donc c'est parti. On va raccorder ça comme ça. Je peux le coller, hein, c'est pas... et 10. Comme ça. Et on va sortir par le haut. Ok. Oui, de toute façon, obligatoirement par le haut. Parce que le reste va venir de la gauche. Donc oui. Ok. Et filtre. Oui, je sais, je sors pas mal ce mot-là en ce moment, je sais pas pourquoi. Fichtre. Peut-être parce qu'il y a eu Jumanji qui est sorti, qui est repassé à la télé il y a pas longtemps pour moi, là, donc... Et au bout d'un moment, il y a le chasseur qui fait à un vendeur d'armes, Fichtre, il me faudrait une arme de remplacement. Les petits jurons désuets, comme ça... Ok.
Bah écoutez, hop. On va enlever le convoyeur qui est là au milieu qui sert à rien. Et ça a l'air déjà plutôt sympa ça. Et merde, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. On va devoir s'en passer. Bon, on va aller chercher nos sphères blanches. J'ai le temps. Oui, j'ai juste le temps d'aller de faire ça. Il n'y en a pas pour longtemps. On va faire ça comme ça. J'en extrairai un peu plus que. Voilà. Ok. Et donc là, il va falloir que je passe. Comme ça. Ok. Bon. Au moins je le sais. Voilà. Et là, j'ai mes sœurs blanches. Wouhou! Déjà, première grosse étape. Ok. Oh, purée, c'est pris là? Attendez, c'est. Non, ok, non, oui, j'avais cette partie-là. Ok. Ouf! Je me suis dit zut. J'avais un truc pourri. C'est pas grave. Enfin, c'est bon. J'ai ça, donc c'est nickel. C'est ce qu'il me faut. Donc, j'ai du bleu, j'ai ça. Il va falloir que je peigne ça en bleu, déjà, pour commencer. On va commencer par ça, par les peindre en bleu. Ce sera plus simple. Le rouge, là, je m'en servirai jamais. Donc, je vais faire directement la peinture ici. C'est pas un problème. Puis je peux même me permettre, hop. Hop. Ok. Je suis en train de réfléchir. La peinture viendra de là. Ah, je pouvais produire du blanc aussi ici. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas. Ce sera pas nécessaire. Ok. Comment je me débrouille? De toute façon, c'est un atelier de peinture, mais. La question, ce sera pour apporter la peinture. Est-ce que je m'embête? Ouais, je vais faire ça comme ça. Hop. Ok. Donc ça c'est l'entrée. Ok. Bah c'est bon. Normalement ça devrait le faire. Toujours du mal à voir où est la sortie. Décidément. J'ai du mal compter arrive à un moment. Ok. Donc déjà ici, je sais. Voilà, que j'aurai ça. Vu que en fait, je vais faire passer la couleur comme ça.
Et il me manque encore un... une sortie. Je la mettrai après. Ok. Alors, j'ai rien dit. C'est juste que j'en ai fait une de trop. Ok. Ici, j'ai mes entrées de forme. Ouais, je m'en fiche. Allez, hop. J'allais dire, je vais faire rotater tout de suite, mais c'est pas grave. Si je pouvais les faire tourner maintenant, quoi. Vous savez quoi? Ouais, ce sera plus simple. Je vais faire tourner maintenant. Je vais faire tourner là, à la sortie du truc. Je vais extraire ça. Et je vais purger déjà le tuyau que j'ai là. Je vais certainement faire quelques formes en... qui qu'ont pas... enfin, qui sont pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Hop. Donc déjà, on a ça. Alors, hop. Et ceux qui sont pas dans le bon sens, on va les purger. Ok, ça va, il n'y en avait pas des masses. Il en reste encore un petit peu. C'est bon. Ok. Super. Super. Voilà. Donc comme ça, maintenant, il reste plus qu'à amener tout ça là-haut et assembler les deux. Comme ça, on est assez... comme... Et zut. Comme ça. Ouais, je vais venir... ouais, je vais venir carrément le long là.